Alors, quelles sont vos impressions, monsieur, sur ces journées consacrées aux peuples autochtones ? Ah ben, de toute façon, c'est quelque chose de traditionnel maintenant, et c'est bien qu'il soit là. Il n'y a pas très longtemps, hein. Moi j'ai connu les moments où ils étaient complètement absents de la vie guyanaise. Et là, ils s'imposent de plus en plus. Et il faut encourager cette fête, il faut encourager cette présence. C'est important. Une fois dans l'année, c'est suffisant ? L'année, c'est suffisant dans ce style-là. Par contre, ça peut prendre d'autres formes. Par exemple ? Je ne sais pas, une participation plus forte au niveau politique, ça c'est clair. Et d'autres choses, peut-être sportifs, on ne les voit pas suffisamment. En politique également, peut-être ? Oui, ce que je disais en politique. Hein. D'accord. Politique d'abord, mais ensuite, point de vue sportif. Et puis, peut-être qu'il y a des expositions à faire beaucoup plus ciblées. Je parlerai par exemple des poisons de la forêt amazonienne, par exemple. On voit des expositions qui sont faites en métropole, et on ne les a pas ici. Alors qu'on a tout ce qu'il faut pour les faire. Donc il n'y a pas de raison. Et puis il peut y avoir aussi des choses plus ciblées sur les cérémonies, l'art chamanique, etc. Donc oui, il y a des choses qui peuvent être complémentaires. Je m'appelle Lauriane. Quelles sont vos impressions sur ces journées consacrées aux peuples autochtones ? Ben, c'est la première fois que j'assiste et franchement c'est super bien, c'est bien organisé. Il y a des stands où on peut voir la culture amérindienne. On peut voir également ce qu'ils font au niveau de l'art, au niveau de la nourriture aussi. On n'a pas l'odeur là, mais moi je la sens bien et ça donne envie de goûter. Vraiment, c'est super d'organiser ça pour qu'on puisse connaître et puis s'approprier et puis mieux aller les voir. Que connaissez-vous sur justement la culture amérindienne ? Eh bien, pas grand-chose. Vraiment, je ne connais pas grand-chose. Et là, pour moi, c'était l'occasion de voir quelques graines, de voir aussi l'art au niveau du bois qu'ils utilisent, au niveau aussi des petits vêtements, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est très beau. Et puis de voir la finesse aussi du travail, quel que soit ce qu'ils font, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser à ce type de manifestation ? Alors je suis en vacances et j'ai vécu en Guyane et j'ai envie de découvrir autre chose, de voir des cultures que je ne connais pas. Et puis de faire aussi connaître à mon mari qui n'est pas d'ici, donc en joint l'utile à l'agréable. Et de ramener des souvenirs. Merci. Merci beaucoup. Monsieur, celui de bienvenue ici au village d'artisanat, où les exposants. On voit qu'en ce moment, démonstration de dépouchage de manioc avec l'association Wakapou et l'association Patap. C'est un monté du village d'artisanat, sous un stand avec l'association Patap. Vous demandez